Salut tout le monde, la Stratocaster c'est le modèle de guitare électrique le plus vendu au monde, mais il n'y a pas que Fender dans la vie, donc aujourd'hui on va comparer 4 modèles de Strat dans un budget de 1000€, la Fender Player Plus, la PRS Silver Sky John Mayer, la nouvelle Yamaha Pacifica 12 standard et la Schecter Nick Johnston. 4 Strat modernes avec des caractéristiques assez proches, faciles à jouer, un micro double sur chacune sauf sur la PRS. On va commencer avec la Fender Player Plus Stratocaster, modèle mexicain de chez Fender avec un manche moderne super facile, des micros noseless pour limiter les bruits parasites, des mécaniques autobloquantes, c'est une version améliorée de la série Player. On passera ensuite à la PRS Silver Sky, modèle signature de John Mayer, c'est une Strat facile à jouer avec un manche un peu arrondi, c'est bien pour jouer avec le pouce par-dessus si vous avez des grandes mains, des micros un peu plus clairs et plus doux que les concurrentes du jour. On aura ensuite la nouvelle Yamaha Pacifica Standard 12. Alors le modèle mythique de chez Yamaha, cette nouvelle version améliore la gamme Pacifica avec un manche en C vraiment super agréable, des micros développés avec Rupert Neve Design, des mécaniques Goto autobloquantes et des frettes en acier inoxydable, ouais. Des caractéristiques vraiment haut de gamme pour un budget assez raisonnable. Et on finira avec la Schecter Nick Johnston, modèle signature de guitariste américain, un manche en érable torréfié, une touche en ébène avec un radius 14 pouces vraiment ultra plat, des mécaniques autobloquantes et des micros Schecter Diamond. C'est la guitare la plus moderne des 4. On va tester ça branché directement dans un quad cortex de chez Neural, d'abord en son clair, puis en crunch et on finira avec de la disto. Allez, c'est parti! Comme vous avez pu entendre, la Fender et la PRS ont un son assez proche, hein, c'est vraiment similaire, c'est des sons assez brillants et pas trop agressifs. On reconnaît bien le son de la Strat. La Yamaha, elle a un son un peu plus gros avec plus de basses, ça reste très précis, très brillant, comme toujours chez Yamaha. C'est vraiment défini, mais c'est un son un peu plus gros que sur la PRS et la Fender. Et enfin, la Schecter, c'est celle qui a le son le plus puissant, le plus brillant. C'est un peu plus agressif, plus claquant, c'est une Strat vraiment plus moderne. Allez, on passe maintenant au son crunch et disto. Thank you.
Encore une fois, le timbre de chaque instrument est vraiment respecté. On se rend bien compte que la Fender elle a un son vraiment particulier, vraiment typique de la Strat de chez Fender. Très claquant, assez brillant, mais quand même qui sonne vraiment gros en saturé grâce au micro double. La PRS, elle va très bien s'en sortir. Ça marchera super bien pour les sons crunch. Un peu moins bien pour la disto, forcément, comme on n'a qu'un micro simple. En même temps, c'est pas pour ça qu'on les vend généralement. La Yamaha est vraiment surprenante. On reconnaît bien le son de la Strat. C'est un peu plus clair, c'est plus défini que chez Fender. Mais ça sonne plus gros, ça sonne plus épais quand on va jouer en disto avec ce micro double. Et la Schecter, le son le plus puissant, le plus clair, le plus punchy, c'est celle qui claque le plus. Alors quelle guitare choisir? Eh ben là c'est vraiment subjectif, les 4 guitares qu'on a essayées sont vraiment chouettes. Si vous êtes vraiment un fan inconditionnel de Fender avec la Player Plus, vous serez pas déçu. On a vraiment ce grain typique de la Strat de chez Fender. Si vous jouez principalement en son clair et en crunch, que vous êtes pas trop un aficionado de la disto, la PRS Silver Sky ça peut être un super choix, parce qu'elle a vraiment un joli grain, c'est très doux. Un peu plus doux que sur la Fender, plus chaleureux, donc ça marchera super bien pour faire ça. Si vous cherchez une super strat alternative à Fender, la Yamaha pourrait vraiment marcher. Elle est hyper facile à jouer, avec des caractéristiques vraiment haut de gamme avec ses mécaniques Goto, ses finitions, ses micros vraiment top. Enfin, si vous êtes à la recherche d'une strat plus moderne, un peu plus punchy, plus agressive que ce qu'on trouve chez Fender, et ben la Schecter elle va répondre vraiment à ça. C'est une guitare hyper facile à jouer, mais du coup plus moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un peu à faire votre choix ou à vous orienter. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours aussi passer en magasin et les essayer. Les 4 modèles qu'on a essayé aujourd'hui sont disponibles sur le site et en magasin, les liens sont dans la description. Alors il y a d'autres modèles encore de Superstrat, vous avez des trucs chez Charvel, chez Ibanez, chez Sayer. Si tout ça c'est un peu plus moderne que ce qu'on a essayé aujourd'hui, donc on les a pas inclus dans la vidéo, puis ça aurait fait peut-être une vidéo un peu trop longue, un peu indigeste. Il y a aussi d'autres gammes chez Fender, la gamme est très large, donc n'hésitez pas à passer en magasin et essayer tout ça. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, et puis à bientôt.